Et salut tout le monde, c'est MacLean85. Aujourd'hui, on se retrouve sur Noh's Tale pour la suite de la quête. Attends, j'arrive pas à le dire, c'est impressionnant. Le guide de la spécialiste 4. Bon, voilà, il y a Mimi, c'est quelqu'un de ma fafa. Viens m'embêter à chaque fois. Hein? Et donc voilà, donc j'ai juste de lancer le dialogue avec le prochain, donc Roddy. Donc je vous lis. Roddy est fragment de Mars qui se met à un étincelle de blanc. C'est. Peux-tu voir quelque chose? Non, rien. Ah, je vois. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas t'aider. Demande à quelqu'un d'autre. Non. Pourquoi est-ce que le javelot du prêtre était présent dans le fragment de mémoire? Aurais-je commis une erreur dans mon plan? Non, impossible. Ah non, mais l'autre, mais. Alors, donc on est parti pour voir Soti, tiens-toi là. Je crois que c'est ça, hein. Soti, tiens-toi là. Tiens-toi là, ouais, j'avoue, grave, c'est quand même bizarre comme nom. Pour la rigolade. Alors. Soti touche le fragment de mémoire qui se met à son moment. Hé, comme c'est joli. Tu vois quelque chose? Oui, je vois le javelot du prêtre. Il nous indique le javelot. Où est-ce que je peux le trouver? Je l'ai. Je l'ai acheté. Un design de javelot prêtre inachevé à Annie. Toi? Elle m'a fait un prix spécial. C'était un peu cher, mais ça faisait une. Ça restait une bonne affaire. Je n'ai pas pu résister. Comme je t'aime bien, je peux te le revendre au prix auquel je l'ai acheté. Qu'en dis-tu? Et voilà. Paie la somme. Paie la somme demandée. Oui. Qu'est-ce qu'elle me veut? Oh putain, elle est sérieuse. En fait, c'est un petit peu normal, je suis en conversation avec elle, c'est pour ça que là, qu'elle me donne tout. Bon, voilà, il fait un petit peu plus. Ah, parce qu'elle est dégoûtée. En fait, il me manque 2K. Bon, bah, c'est pas grave, je vais aller me faire de l'or. Non, mais t'es pas obligé, sérieux. D'accord. Bon, bah, je te remercie. Le truc, ça, j'ai un peu la sensation de me faire arnaquer. Enfin, voilà ton argent. Maintenant que tu en connais le design, tu devrais te mettre à la recherche des matériaux qui composent le javelot. Tu devras ensuite en mesurer. Viens me voir une fois que le javelot sera prêt. C'est parti. On fait récompense. Allez, c'est parti. Go, roi sans suif. Je vérifie. Donc un minerai. Une feuille. Ouh, pardon, désolé. Il y a de la lumière qui s'est allumée. J'ai eu les bouches. Je crois que c'était un éclair. Mais non. C'est ma lampe. Putain, vraiment, je vais pas bien. C'est impressionnant. Donc, c'est parti pour la mine du fleuve. Je vais vous montrer les trous. Deux premiers drops. Et ensuite, je vous montrerai les zones. Ah, ben d'accord, en fait, elle va m'aider. Voilà, il m'a fait tout bouffer là, je suis perdu. Je disais, je vais vous faire les deux premiers drops et ensuite les monstres à chasser. Putain, c'est incroyable. Je vous montrerai les zones où faut les prendre. Alors c'est parti, roi sensu, go. Oh, attendez, je ne suis pas en bonne résiste du tout. Ah ben si, en fait je suis en bonne résiste. C'est du foutage de gueule. Non, non, pas de conneries. Oh merde. Attends. Possible de faire de partage. Mais si. Il va marquer Osef, j'en suis sûr. Pas de rien. Vraiment, pareil que Sky, c'est impressionnant.
ça c'était beau. Là là. Bobine, cher ça. On s'en suit, il y en a plein partout ça. Bon, oh, je sais pas comment j'ai fait, ça a été buggé. Oui. Non. Roi sans suie. Bah ça va, si c'est tout, si un roi sans suie toutes les deux sans suie, ça va. Hein. En fait, il y en a beaucoup. Soir bon, et voilà. Attendez que j'essaye de choper ces 300 suites, d'en avoir une, non? Ah ben non. Ah si. J'arrive pas à la voir. Bon ben tant pis. Oh putain, je l'ai complètement raté. Eh non, mais là j'ai fait n'importe quoi là. Je m'en fous. Ah. Pas de ma faute, hein. Je suis pas un chanceux sur les drops. Commence à me péter les yeux, on va baisser la musique. Voilà. D'accord. Non, mais l'autre, elle a eu sa SP il y a pas longtemps. Elle se sent plus, elle se sent plus. Oula. Foutage de gueule, moi je vous dis, là l'hôtesse fait pas chier. Ah, plus ça. Non. Ah, voilà, si. Voilà, je suis un devin. Where is the king Sansu? Ok. Attendez, je réfléchis à un truc là. Merde, merde. Pardon, excusez-moi, j'ai se tapé de pas. Ça, c'est le gros fail qu'il faut pas faire, quoi. En pleine vidéo, sérieux. Oh là là, j'ai pas le droit. Oh. Bon, ouais, prends-le, vas-y. Prends-le. Tiens, vous voyez, je suis trop devant. Oh, tu l'as vu? Il va pas bien, il va... pardon, elle va pas bien. Là là. Putain, c'est vraiment du cran n'importe quoi, moi je vous le dis. Oh là 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 là. Oh putain, il va gâcher la vidéo là, sérieux. Ça me rappelle le mec niveau 52 que j'avais. Que j'avais avec de 5.2. J'avais TP. Chauffeur, chauffeur! Je prends les 5! Allez, aggro, S20 s'il te plaît. C'est parti! Merde, j'ai pas le S18. D'accord, il restait que le roi sans su, comme de par hasard. T'as pris quoi? Qu'est-ce qu'il a pris? Oh, les 1K, les 1K, les 1K, boum, allez hop là. Là, vous voyez la lore, hein, c'est tombé à une vitesse, par contre. Ah, d'accord. Ok.
C'est chaud là. Est-ce que je stoppe la vidéo? Je pense que je vais faire ça et au moment où il y aura le drop. Bon bah ben, tant pis. Attention, c'est toi aussi tu viens. Putain, mais c'est toujours de ma faute de toute façon, hein. Oui, je vais stopper la vidéo maintenant parce que si je veux que ça tienne en un épisode, pardon, on n'y est pas rendu, je tiens à vous le dire. Ou alors je ferai peut-être des coupures, je couperai, ouais, je vais couper. Parce que c'est vrai que là, c'est impossible. Bien sûr, je laisserai la petite blague, hein. Enfin, vous, elle sera passée normalement. Au moment où vous regarderez la vidéo. Et voilà quoi, je laisserai le petit moment de fou rire. Enfin, vous l'entendez pas, mais j'étais aussi en fou rire avec Mimi. Avec dire penser, putain, oh là 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 là. Non. Oui. Putain, c'est pas vrai ça. Elle m'avait prévenu en plus qu'elle avait. Elle arrivait. C'était chaud aussi pour elle. Pour obtenir cet objet. Putain, j'arrive pas à parler, c'est impressionnant. Vas-y, attention, il veut dire quelque chose, il veut dire quelque chose. T'as besoin de gel. Désolé, j'ai les cheveux trop courts. Les cheveux trop courts. Ouais. CI, on le fait CI? Ouais. Bah non, c'est rien. Ah ouais. Enfin après, c'est toi qui vends, hein. Connais par hasard au moment où j'ai cliqué. Non, je déconne. Là. Ok. Bon bah ça continue, ça continue. Ouais, mais faut que je coupe quand même un peu là, les vidéos. Bon, ellipse, tout de suite, je vous retrouve après. À tout de suite. Et voilà, tout le monde. Je viens juste de récolter l'objet, j'aurais dû vous le faire. Ça fait à peu près 30 minutes, hein. Non, 15 minutes, 15 minutes. 15 minutes. Qu'on est dessus, donc je récupère la quête. Parfait. Alors ensuite, on doit aller au top criquet qui se situe. À l'intérieur de l'ancienne forêt du bois d'érable. Donc c'est-à-dire qu'on doit aller au bois d'érable et ensuite, ok, ça marche. Bon, go, je vous emmène à l'endroit et on fait tout de suite une ellipse parce que je vais vous dire tout de suite, on va pas se faire chier à recommencer. Hein. Putain, on s'est fait. Ben, voilà. Il a dit, je vous montre juste à quoi ça ressemble. Ça sera beaucoup mieux. Ça va? T'as mis. Bon ben on m'a dit que ça va être chaud aussi. Ce qu'on va faire, bon ben, tant pis. Hein. De toute façon, hein, il faut bien pour la quête, pour la SP 4. Je n'ai jamais eu cette SP. C'est la seule SP que j'ai jamais testée avec la mage. Bon, faut aller au bois d'érable avant. Tout en bas. C'est Golem Slade. Alors, sont des top criquets, c'est intérieur de l'ancienne forêt du bois d'érable. Donc c'est en haut, c'est tout en haut. T'en as deux. Ah, bon, bah, j'ai compris, j'ai pris le mauvais comme de par hasard. Bon bah tant pis. Non mais chien, non mais je veux dire, t'as pris ça pour celui qui est tout en haut et puis moi j'ai pris celui qui est en haut à gauche. Ok, bon ben, on me dit que c'est celui qui est tout en haut, donc prenez bien le portail qui se situe tout au nord, hein, pas celui qui est au nord-ouest. Allez go. Je retire SP. SP. Voilà. Top criquet, je crois que c'est un type haut, bah ça se voit tout de suite.
Donc je vais en combattre un, peut-être avec un peu de chance, hein, du premier coup. Je ne pense pas. Je t'ai eu, je t'ai eu. Je prends un top riquet. Déjà c'est très bien, ça attaque de proche, ça. C'est pas ici qu'il y a les mamans taupes? Ok, donc on me dit que c'est après. Si c'est quoi comme espace-temps? Niveau 76. J'aurais pas le level. Ça va, il mise beaucoup. Bon, jambe postérieure de la top riquet. Super. Bon, j'en combats un autre et puis je vais faire une ellipse tout de suite, hein. J'ai vraiment pas envie de recommencer. Parce que là, ça va prendre beaucoup de place sur mon ordi. Bon, ensuite il y aura les Reshen aussi qui sont là à combattre. Reshen, les méduses. Par contre, là, cette fois-ci, faudra en chasser un certain nombre. C'est pas un objet à récupérer. Merci, Mimi. Oh! J'ai bien fait de le combattre. Bah, c'est parfait, dites-moi. Bon, ben, on passe tout de suite au prochain, alors. Ah là là. Parfait. Donc, ouais. Ah, ben oui, comme il vient de le dire, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, maintenant, ben, ce sont les mamans taupes, ceux qu'ils détestent le plus. Ok, bon ben je leur montre juste à quoi ça ressemble parce qu'on me dit que ça risque d'être extrêmement long. Donc je suis Mimi, hein. Oula, j'ai lagué, désolé. Un beau lag. Bah, fais pas là. Le trou ça. Ah oui, je m'en souviens. Je me souviens d'y avoir passé. Ah oui, et je me souviens même que c'était assez chaud à passer aussi. Il y a tous les Greenlanders et la zone elle est pas qu'un peu petite. Un peu grande, pardon. Oh, il miss, il miss. Alors, je rassemble les objets pour l'instant. Chemin souterrain. Au chemin souterrain de forêt des rêves, c'est ça. Donc je vous montre le truc, je vous montre les. Oula. Je vous montre à quoi ça ressemble. Hein. Ce sont des mamans. Et des taupes. Voilà. Alors, donc voilà. Donc déjà, vous voyez déjà que ces trucs. D'accord. Bon. Ah, t'as pas mis ta résiste aussi. Mais bon, quand même. Ok, donc ça en fait un, en plus je récupère ma dignité. Bon, petite ellipse, je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et re tout le monde. Donc c'est bon là, on va bientôt avoir fini. Il en reste deux. Ben voilà, les deux vous voyez ici. C'est allé assez vite. On a mis même pas 15 minutes. On avait presque autant de temps. Donc ensuite, suite de la quête, j'ai vérifié. Voilà, c'est bon, quête terminée. Tu peux te le faire si tu veux. Si tu veux. Alors, voilà, donc la crinière. Alors, ici, ce sont les Reshen maintenant. Donc, les Reshen, ce sont les grosses méduses qui sont ici. D'ailleurs, elle est partie. Où elle est partie là-bas. Ok. Donc, ensuite, et voilà. Et je vous montre aussi l'endroit où on devra aller après. Après, on devra partir là-bas. Bah, là où il y a du monde, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils sont là. Donc voilà, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Oui, on va faire une déconnexion, reconnexion. Je vais faire la même chose. Je vous montrerai la fin de la quête. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemblerait. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde, donc c'est bon. Nous sommes à 47 sur 50 Reshen. Ça, voilà, donc ça avance, ça avance. Attendez, deux petits popos, parce qu'il y a un debuff qui fait chier. Voilà. Voilà, c'est ça qui. Ah putain. Heureusement que j'ai le combo en fait, hein, punaise. Le combo ça me permet grave de tous les éliminer d'un seul coup. Plus qu'un. Et ensuite on passe au dernier, au sentinelle. Et je vais aussi conclure ce. Eh ben, cet épisode. Hein, parce que après la suite, il faut juste aller voir. Les PNJ qui vous demandent d'aller voir, et c'est tout.
Donc voilà, parce qu'en plus la vidéo aura duré un petit peu trop longtemps dans la logique. Quoi, donc je tue celui-là et je suis Mimi. Hop. Putain, chaud. Putain. Pfiou, j'ai des boules. Prendre popo de grise en plus. Oh, il y en avait un au milieu. L'oublier celui-là. Ah non, ça va être Mimi qui a dû le prendre. Voilà. Allez, go. Voilà. Oui, je vais vous montrer les sentinelles, vous inquiétez pas. Je vais vous montrer où c'est alors. Il demande dessus, ce sont les sentinelles niveau 75 de Celi Lucha B2. Donc ça veut dire qu'il faut alors descendre d'un autre niveau. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs types de sentinelles déjà. Hop là. C'est parti. Oui, attendez, on va aller dans la salle des sentinelles. Donc ouais, ici ils sont, voilà, je comprends pourquoi. En fait, ici ils sont niveau 72, donc ce n'est pas la bonne, ce sont niveau 75. C'est-à-dire ceux-là. Ouais, c'est eux. Il faut en tuer 30, il y en a beaucoup moins. Attends, oh là, je t'ai pris un. Ah, il n'y a plus le buff aussi. Oh les boules. Oh, je suis mort. Tant pis. C'est bon. Donc voilà, donc ça sont ma série sentinelle. Puisque j'ai retouché la vidéo, je vous montre comment il faut faire pour créer la lance. Donc vous allez avoir quelque chose comme ceci, comme le récipient de consommable. Vous double-cliquez dessus, vous avez juste à faire ça et vous faites produire. Voilà. Donc voilà, donc je vous laisse maintenant et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!